Moja. La première. Mwe rancunier et prêt à pardonner. Usiwe mkasirifu sana na uwe tayari kusamehe. Changembe. Mwe rancunier. Asiye kasirika sana. Weka kinyongo. Asiye weka kinyongo. Hasira. Asiye chunga hasira. Mm-hmm. Rancune. Kinyongo. Hasira. Il a gardé la rancune contre moi. Ni mutu, c'est quelqu'un muna korogana, dont vous vous querellez. En affaire semblant que vous me patane. Il fait semblant comme si vous vous êtes entendu. Anakuchunga ponya takupigia. Il t'entend au coin où il va te frapper. C'est vrai. Anakueke ya muroho chuki. Il te garde dans son cœur. Anakueke ya kinyongo. La rancune. Anakueke mpango wa kukulipisha kisasi. Il garde dans lui le plan de te faire manger. Mais wakati mumekorogana. Mais pendant que vous vous étiez querellé. Il t'a montré. Kimia. Silence. Nana kwambia. Et il te dit. Pas de problème. Hakuna shida. Weye unawaza ni amani. Et toi tu penses que c'est la paix. Bien utaenda kuona kule mbele. Et tu seras en train d'observer là devant. Kule utaenda kuona kutendea. Et ce qu'il sera en train de faire pour toi. Comprendre que hamkusameheana. Tu comprendras que tu n'as jamais pardonné. Celui qui est moins rancunier. Yule asiyeweka kinyongo. Quelqu'un qui est moins rancunier. Yule asiyeweka kinyongo. Un bon mari. C'est quelqu'un. Ni mtu yule. Qui peut demander pardon. Awezaye omba msamaha. Qui peut demander pardon. Awezaye omba msamaha. Et quand il a été blessé. Na wakati ameumizwa moyoni. Il y prend l'initiative, le premier à demander la réconciliation. Anajitahidi kuwa wa kwanza kutafuta mapatano. Le premier kwanza, a dit kusema, parlons comment ça s'est passé. Tuongee namna mambo yalipitika. On ne peut pas continuer à rester comme ça. Hatupaswi endelea ishi hivi. Un beau conjoint. Mwenzi mwema. Je pose la question. Nauliza. Je vais le dire en Kiswahili. Na nitaisema katika lugha nyumbani. Wakati mulikorogana kwenu. Ndio. Donc haiko. Okay. Wakati mmekorogana kwenu. Quand vous étiez querellé à la maison. Nani njoo na kwaka wa kwanza kutafuta mapatano? Qui est toujours le premier pour chercher la réconciliation? C'est vrai. C'est toi ou c'est elle? Je ni wewe au ni yeye? C'est lui ou c'est toi? Ni yeye au ni wewe? Moins rancunier. Asiyeweka kinyongo. Quelqu'un mtu qui ne garde pas de mauvais souvenirs. Ambaye hachungi kumbukumbu mbaya. Quelqu'un mtu qui lorsque quelque chose s'est mal passé. Wakati kuna jambo lilipitika vibaya. Même s'il avait été blessé. Hata kama aliumizwa moyoni. Il ne garde pas ça dans le cœur pour yeye te punir après. Haichungi moyoni kwa kuja ionyesha baadaye. Il ne vous rappelle pas toujours les fautes du passé. Huyu mtu hakukumbushake makosa yaliyopita zamani. À la moindre erreur, kwa kosa ndogo, il ne vous rappelle pas ce qui s'est passé. Hakukumbushake yaliyopitika. Il ne vous lance pas des paroles choquantes. Na hakutupiake maneno ya kuumiza. Et il ne se souvient pas du mal pour vous le punir. Na hakukumbushake mabaya ili akulipize nayo. Kwenu ni namna gani? C'est vrai. Dans votre foyer, c'est comment? Muko hapa muko ba marié. C'est vrai. Vous êtes ici, vous êtes marié. Amen, amen. Bengine mutasema mimi siko marié. Les autres vous diraient non, moi je ne suis pas un marié. Mimi siko nitaoa. Les jours que je dois me marier. Ndakuwa na ile qualité. J'aurai cette qualité. Weye na badada yako na ba petit frère yako mwenu c'est comment? Toi et tes petits frères, tes petites sœurs et tes grandes sœurs, chez vous là c'est comment? Wakati bali kuima. Si ne ton et ton privé. Weye unapata. Et toi tu as. Mule mule mwenu. Là chez vous. Unasema kani? Qu'est-ce que tu dis? Vous entendez que l'enfant commence à dire. Hier vous m'avez privé quelque chose. Moi aussi je vais vous montrer aujourd'hui. Commencez à surveiller cet enfant. Amen, amen.
Si tu entends chez toi, l'enfant commence à dire aux autres, ne vous habituez pas à moi. Je me souviens de ce dont vous avez fait la semaine passée. Ne pensez pas que j'ai oublié. Il est en train de dire ça à ses frères. Celui-ci, même quand il va se marier, lule. Ça sera la même chose. Oui, oui. Amen. 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 Proverbe 17, 9. Mezali 17 kenda. Celui qui couvre une faute anayefunika kosa cherche l'amour anatafuta upendo. Et celui qui la rappelle bali anayekumbusha kosa dans ses discours katika maneno yake divise les amis anagawa nyama rafiki anagabula marafiki anatenganisha pole pole. Lentement. Maana ni kwa faida ya kila mwenye na haja kwenda mbinguni. C'est pour l'intérêt de tout un chacun qui veut aller au ciel. Celui qui couvre une faute. Eti anayefunika kosa. Cherche l'amour. Anatafuta upendo. Kufunika. Une faute. Kosa. Quelqu'un couvre ça. Mtu anayefunika. Bon, ça va. Nasema sawa. Ça va. Say amen. Bon, ni kawaida binadamu. Mais lakini, celui qui la rappelle dans ses discours. Lakini anayekumbusha kosa katika maneno yake. Hein? Qui la rappelle anayekumbusha dans ses discours. Katika maneno yake. Inakuwa nabikukumbusha. Commence à te le rappeler. Anabikukumbusha. Il te le rappelle. Huyu nabenye ba huyu. Celui-ci. Itabia. Cette qualité. Inachanisha kaburafiki. Divise même les amis. Kwa maana mwenye alikuwa anakupenda. C'est-à-dire que même celui qui t'aimait. Akakufurahia. Akakufanya rafiki yake. Et il t'a fait son ami. Ile tu kwenda uko namkumbusha byenye hamkupatanaka hapo kila siku. Le fait seulement de le rappeler chaque jour les choses dont vous n'étiez pas entendu. Na habikusamehewa. Et ça n'a jamais été pardonné. Hugaula urafiki. Ça divise les amis. Kwamba unaweza kuacha bibi yako. Donc tu peux faire que ta femme. Anaende kuna kuchukia pole. Commence à développer la haine contre toi. Na binafika siku hawezi sentir kitu kukuhusu. Et ça arrivera un jour il ne sentira plus rien concernant kinywa. À cause de ta bouche. Kumkumbusha. La rappeler. Mama fulani. Maman telle. Tulitengeneza. Nous avons réparé. Mais. Lakini. Bingali. Ça se trouve encore dans moi. Baba fulan, maman telle, ndio, oui, tukule, mangeons, tuishi, vivons, mais, lakini, na unaona mtu analia, et tu vois quelqu'un pleurer, Seigneur, nani mu Kristo, et c'est un chrétien. Alléluia, amen. Frère Branham natuambia hivi, Frère Branham nous dit ceci, tumusome kidogo, lisons-le un peu, ya kitabu kinaitwa pourquoi. Dans la brochure qui dit quoi nini, paragraphe 131, katika mahubiri yanayoitwa kwa nini. Et cela le tuerait évidemment physiquement. Na hiyo ingaliweza muua hata kimwili. Parce que c'est déjà prouvé. Maana imehakikishwa. Que l'homme qui garde rancune. Ya kuwa mtu achungaye kinyongo. Et la femme qui garde, et la femme qui s'agite. Na mwanamke mwenye ku. Mwanamke mwenye ku. Kujagite. Kubabaika. Manake mwenye habaki yake mwenye hatuli yake atulie mwanamke asiyetulia esene datu ses états na kuwa katika hali hizo qui se querelle anayefarakana et se dispute na anabishana ils meurent wanakufa kwa hiyo bile binabauaka. Cela cause le cancer. Hali hiyo huleta kansa une infection fungus vidonda vya ndani et tout le reste qui s'établit les ulcères. Na hivyo vyote vinapokuwa vinaotesha vivimba. Mutumbu. Vivimba vya tumboni. 132. Voyez. Je mnaona. Vous avez été créés pour être heureux. Muliumbiwaka kwa kufurahi. Et libre. Na kuwa huru. Vous avez été créés pour vivre comme les enfants devant votre père. Muliumbwaka na Mungu ili muishi sawa watoto wenye heri mbele ya baba. Sachant que chaque jour. Ukijua kwa kila siku. Il fait bien marcher tout pour vous. Mungu anafanya yote iwe mema kwenu. Chaque jour. Kila siku. Oui. Ndiyo. Amen.
Amen. Ces gens-là qui gardent rancune. Ces gens-là qui ne sont pas stables. C'est une petite chose, la personne sort. Juste quelque chose, il parle jusqu'au petit matin. Ces gens-là donc qui peuvent garder quelque chose même pendant 10 ans et ils te le rappellent pendant que ton cœur l'avait déjà oublié. Ces gens-là n'ont jamais une longue vie. Donc itakuwa kukreye mafungis mabidonda mule ndani. To uta sa kreera des infections. Na binawezi meme na kulamusha cancer. Et ça peut même réveiller le cancer. Mais ba spécialiste américain balibi vérifié. Les spécialistes américains ont vérifié cela. Bakutana kama na kuna bitu binaotaka mutumbu mwestoma ya mutu sababu ya bienye iko naende kuna tiama. Amen. Et ils ont découvert qu'il y a des choses qui peuvent pousser dans l'homme parce qu'il a fait longtemps en train de penser sur quelque chose. Unaanza kusikia gastrite na panda. Disant que le gastrite monte. Unasikia bitu ya mchungu naanza. Tu sens qu'il y a des choses amères qui montent. Tu es en train de. C'est parce qu'il a pensé toute la nuit jusqu'au matin. Il commence à te dire estomac. Mon estomac me fait mal. Ce sont des choses dont il a mis les pensées. Et aussi même la colère. Et ça produit les cancers qu'on ne saura pas soigner. Il y a main. Et que c'est prouvé scientifiquement. Navime chunguzwa kisayansi. Alléluia. Amen. Amen. Tuliumbiwa kuwa na raha. Nous avons été créés pour être heureux. Tuliumbiwa kuwa na raha mbele ya Mungu. Nous avons été créés pour être heureux. Kama kuna kitu kina mwangalie huko. Mko mnaangalia bageni bina baona. Hamuya unaka batu. Vous n'avez jamais vu les gens? Que watu waliumbiwa kuwa na raha. Les gens ont été créés pour être heureux. Watu waliumbiwa kuwa na amani. Les gens ont été créés pour être heureux. Unapashwa kujifunza. Vous devez apprendre. Kuepuka kuwa unawekaweka vitu muroho. D'éviter de garder les choses dans le cœur. Yenye kesho bitakuwa kukutokea mo magonjwa ya mwili. Donc toi ou tard ça peut te produire les maladies corporelles. Quelquefois vitu bimoya nilivumbula ya kwamba na kuna benye niliendaka niko napatia dawa na bamwa bakapona. Kuko vitu benye unapasha kuwa na kuwa de temps en temps, je m'en fous. Il y a des choses dont chaque fois tu dois t'en foutre. Ah oui oui. Je dis ceci. Nasema hivi. Kuna vitu benye dawa yabo ni yabyo ni kutobijali. Il y a des choses dont leur médicament se s'en fout. Na unakuwa sawa hukubiona. Et tu fais comme si tu n'as pas na vu. Na unakuwa sawa habiko. Tu fais comme si ces choses na unavitosha mu mawazo. Et tu les enlèves dans tes pensées. Na unakula na unalala na unasinzia na unakucha. Et tu manges, et tu sommeilles, tu dors et tu te réveilles. Na mwenye libiwaza kosana estomac inaluma. Et la personne qui a pensé là-dessus longtemps et son estomac se mwaka anagonjwa. La première année il tombe malade. Oui oui. Rancune ni nini? Qu'est-ce que la rancune? Kinyongo ni nini? Chakuweka ni nini? Garder quelque chose. Ni vitu vinyo unaendelea uko na jikumbusha na mwenye nabi alishaka ji. Habikumbuki hata. Ce sont des choses dont tu te rappelles seul pendant que les propriétés ne seront pas. Uko na jitesa na vitu. Tu es en train de te faire souffrir. Penye mwenye nabi hayo kama uko ulilala usinzi. Pendant que les propriétés n'a pas su que tu as passé la nuit sans sommeil. Wewe uko na kosa usingizi mais mwenye alikukoroga alisinzia. C'est toi qui manque le sommeil pendant que la personne qui t'a troublé, lui il a sommeillé. Ouais, nous n'avons pas appétit. C'est toi qui manques l'appétit. Mais moi, nous n'avons pas appétit. Alikula na kashiba. Mais la personne qui t'a fait manquer l'appétit, lui il a mangé, il a été rassasié. Ouais, nous n'avons pas jeté aux aguerris à Bukitan na Busiku. C'est toi qui t'es fait tourner dans les lits plusieurs fois. Fulani. Tel. Fulani. 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 Moi, comme Kaburi. Juste dans la tombe. Yeye kwenye iko alikula na estomai kashiba na iko fru fru fru. Mwenye atakufa mbele ni nani? Wewe. Là où lui il est, il a mangé, il s'est bien rassasié, il est en train de dormir jusqu'à ronfler. Celui qui va mourir avant c'est qui? C'est toi. Alléluia. Amen. Apprenez. Mujifunze. À vous libérer de certaines choses. Kwa mnajiweka huru na vitu. Un problème vient. Shida inapokuja. Vous le réglez. Unaitatua. Fini. Quelqu'un vous fait manquer la paix, vous asseyez, vous discutez, vous finissez, vous tournez la page, vous mangez, vous dormez, vous sommeillez. S'il restera en train d'être troublé, ça le regarde. Alléluia. Amen. 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 Prenez la Bible. Proverbe 19:11.
L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Il met sa gloire à oublier les offenses. Anapata sifa yake kwa kusamehe makosa ya wenye walimutendea. Et sa gloire a oublié les offenses dont les gens qui l'ont offensé lui ont fait. Alors, première question. Sasa, swali la kwanza. Koshe. Weka alama hapa. Koshe. Jipeni alama hapa. Bitu nganungali na kumuka kubibi yako na hapu likuya me biko bina kukera tu. Ndiyo, ndiyo. Il y a des choses dont tu continues à te souvenir si ta femme pendant que tu es là, ça continue à t'aider. Et ce sont les choses du mois d'avril. Andika pale seme, sina ile tabia. Tu peux cocher là-bas en disant, je n'ai pas cette qualité. La dernière fois, ulitafuta mwenzako kwa mwambia, chéri tuongeye. Nana litafuta mwingine, ni weye wala ni aye. La dernière fois, quand vous étiez querelé, qui a cherché l'autre, c'est toi ou c'est lui? Koshe là-bas. Weka alama pale. Makosa wenye kukutendea mwako. Les offenses qu'on te fait dans chez toi. Inadundaka mweye masiku ngapi mpaka uisahau. Ça te prend combien de temps pour les oublier? Unakuwa nasikia iko sasa iko nao isiko saru ingine iko na vibre. Tu sens comme si là à l'intérieur ça vibre. Fulani. Tel. Na unaanza ambia meme na batoto. Et tu commences même à le dire aux enfants. C'est grave. Unachukia mtu, unaanza tawanya na chuki yako na kubenye balikuwa hababiju. Tu commences même à propager ta haine aux gens qui ne le savaient pas. Mutali, bibi anakuambia, unisamehe? La femme te dit, pardonne-moi. Unafaire semblant comme si unamsikia. Tu fais semblant comme si tu l'entends. Marteau utampiga kesho. Le jeton que tu vas lui donner demain. Inamonyesha kama hukusamehe. Ça va lui montrer que tu ne lui as pas pardonné. Bwana nakwambia. Le mari te dit. Madame. Mke wangu. Tuimalize. Finissons ce dossier. Niko mutu na wako mutu. Je suis un humain, toi aussi tu es un humain. Unafaire semblant kumsikiliza. Tu fais semblant de l'écouter. Mko naona kwenye kale kama mama kako naangalia. Vous êtes en train de voir là où cette maman est en train de regarder. Est-ce que Hii mama hiko inasikia kweli? Est-ce que vous pouvez me dire que cette maman est en train d'écouter ce monsieur? Wewe unapata bahati bwana angani na kufanyizia hivi. Toi tu as la chance de trouver un monsieur qui peut encore se tenir. Unapata neema mu Kristo angani nakwambia pardon chérie. Tu trouves la grâce qu'il y a un monsieur chrétien qui est en train de te Vengine pardon. Vengine habari yake tena ribi pardon. Les autres ne disent plus aux femmes pardon. Anakukoroga na unalia na nakupiga. Il te trouble, tu pleures, il te frappe. Oui oui. Bengine bangali banomba babibi yabo huruma. Les autres sont encore en train de demander à leur femme pardon. Au lieu profiter. Au lieu que tu en profites. Non, yeseme. Fulan, na unamusema kwa jina. Jina chérie tena inakoma. Et dit là, tu cites même son nom, tu n'es pas le plus de chérie. Ata usemi aye. Même si tu peux dire comment. Ulishavuka mustari, byangu na weye, c'est fini. Tu as déjà franchi la ligne, toi et moi, c'est fini. Nilisha kufuta mu mawazo. Je t'ai déjà effacé dans mes pensées. Sema, habari ya bwanako aseme, hakuwake tena mu mawazo yangu. Comment va ton mari? Tu dis, il n'est plus dans mes pensées. Ah bon? Alléluia! Amen! 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 Amen. Alléluia. Amina. Haya maisha haya. Cette vie. Bitafika siku bwana kisha vumbula kama uko vile na nakuwa je mafu. Ça arrivera un jour où le mari quand il va découvrir que ça devenir ton caractère. Ah oui, na nakuwa je mafu. Où la femme aussi devient aussi je mafu. Na sikia bwana nakuwa nakwambia. Tu sens que la femme nani tubu. Et que je me réponds. Nani mwambie anisamehe. Et que je lui demande pardon. Nani nyamaze. Et que je me taise. Sawa sawa. C'est la même chose. Na sikia bwana nakwambia anaanza sema. Tu vas écouter l'homme te dire. Nilijaribu bembeleza yangu yote. J'ai essayé de dorloter mais à un certain niveau j'ai compris que mien jo niko na jitesa. Mais à un certain niveau, j'ai compris que c'est moi qui me fais souffrir. Aujourd'hui, je commence à la diriger comme un païen. Si vous considérez ça, je ne la danger. Considère plus comme une sœur. Amen, amen. Bilianza, yes. Comment est-ce que ça commence? Pale. C'est là. Habari kwenu. Comment ça va chez vous? Ni habari za amani nyumba. Est-ce que c'est vraiment les nouvelles de la paix à la maison? Ni vema, wala ni apana, est-ce que c'est oui ou c'est non là-bas?